attention, please. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour l'épisode 3 de la saison 3 de The La Chance sur Rimworld. Alors, on continue à progresser petit à petit, la base commence à prendre forme. Là, on va laisser le couloir là. Ici, je n'ai pas encore mis que je voulais les portes. Structure. Porte. Hop. Voilà, Daniel et Jack nous creusent. Daniel, pourquoi tu fais pas de recherche? Pourquoi tu ne nous fais pas de recherche, Daniel? Il y a des choses à construire, d'accord. Donc en théorie, quand tout est construit, tu devrais... Non, tu veux pas faire de recherche. D'accord. Ça, je voulais que tu le fasses tout à l'heure, tu le faisais pas. Bon. C'est pas grave. Bah c'est pas grave, si c'est grave, parce qu'on a besoin pour ce qu'on a à construire ensuite de certaines choses. Là par contre ici on va leur demander de miner là pour continuer le mur. Et là pour continuer le mur également. Là du coup ça j'aimerais bien l'enlever. Ça, on va me miner aussi. Ah j'ai pas vu mes traders, faut causer avec mes traders. Donc eux, on les a pas encore rencontrés. Ok, on va essayer d'améliorer nos factions avec eux. On a des visiteurs, j'espère qu'ils vont pas se friter entre eux. Les a-t-on déjà rencontrés? Oui, ils sont déjà venus, mais on n'est pas en bon terme avec eux. Allez, c'est parti. Donc là on a 1, 2, 3 lit. On n'a pas de lit de prisonnier encore, on pourra utiliser celui-ci au cas où. Alors, as you sit and talk with your friend from Gelgalin. Non, là ça nous propose d'aller visiter des anciennes ruines, patati patata, et on peut trouver un trésor. Seulement le problème c'est si on le fait en plein début d'installation de la colonie, on aura un de nos colons qui devra partir les accompagner pour faire cette recherche, et donc il sera plus sur la colonie pour faire progresser. Donc pour le moment on ne peut pas parce qu'on n'a pas que ça à faire. Alpha Castor. Alors les Alpha Castor, race de Castor qui quand ils arrivent sur la carte... mange tout ce qui est bois. Donc cela, dès que ça nous arrive, il faut les chasser au plus vite parce que si on les laisse gentiment dans leur coin, ils bouffent absolument tout le bois sur toute la map. Voilà. Qu'on se le dise, vous êtes au courant. Donc si vous commencez à jouer sur ce jeu Rimworld avec le mode Ultimate Overworld, tous ces petits conseils. L'Alpha Castor, quand il pop, faut les tuer tout de suite. Sinon, ils mangent tout le bois sur la carte. Et tant que vous ne les aurez pas tués, ben, il n'y aura plus de bois qui repoussera. Donc autant les tuer tout de suite. Donc on voit Jack qui négocie pour augmenter la faction. Donc quand il parle, regardez, voilà. S'il arrive, notre faction augmente. Et s'il rate son coup, elle descend de certain nombre de points. Donc là, on voit qu'il discute. Il est en train d'augmenter la faction.
Bon, on l'a fini parce qu'il dorment. Voilà, Daniel nous a fait les lits. Ok, ça y est, notre production commence à être équilibrée. Mais on a été obligé de les forcer à faire ce que nous on veut et pas, comme on m'avait dit, de tout laisser en automatique. C'est rentre sur les lieux. Alors, invité. Ok, ils sont déjà venus, mais la faction est négative. Ok. Alors là, il faut qu'on fasse des murs. Donc en extérieur, vengeance de Rimwolf. Attendez, ah non, bah il est mort, c'est bon. En extérieur, faut préférer. Attendez. Pourquoi les Rimwolf? Chasser lui, il est quoi? Sam. Là, je comprends pas ce qui se passe. Non, il dort. Ok, j'ai cru qu'il était en mauvaise posture. Daniel, tu veux pas aller nous déshabiller et nous l'enterrer? Voilà, et voilà, enterre-nous-le. Allez, on remet en accéléré. Et il faut qu'on coupe tout le bois dans cette base. On fera des planchers dès qu'on aura assez de matière. Donc Daniel essaye d'améliorer la faction. On voit que chaque fois qu'il réussit, on gagne un point. La difficulté pour recruter diminue en même temps. Quand il arrête de causer, la difficulté de recrutement augmente. Mais bon, voilà. Et plus la faction sera meilleure, plus on arrivera à leur parler. Et moins si on arrive à convertir un de leurs tribus, ils s'attaqueront à nous. Ok, Daniel nous fait les lits. Bon, là on a le premier lit d'infirmerie. Alors secourir, là pareil. Un colon d'une tribu nous appelle, il est pourchassé par des pirates. Elle vous supplie de l'aider, vous offre de rejoindre votre colonie. Soyez averti, si vous acceptez, vous devrez combattre les pirates. Allez, soyons fous, on va la secourir. Hop, on met tout de suite sur pause. On vérifie qu'elle rentre bien à la maison. Elle rentre à la maison. Ok, elle va aller miner, donc c'est bon. Et dès qu'on aura le raid, c'est poursuivant. On se mettra en défense. Voilà, on va se mettre en défense. Donc Sam, en défense ici. Daniel, en défense là. On ne sait pas encore combien ils sont, mais de toute façon, il faut se mettre en défense. On renommera le premier colon, comme on fait à notre habitude, après ce raid. On va aller voir où ils sont, se rendre sur les lieux. Ils sont deux. Ok, ils sont deux. Qu'est-ce qu'ils ont? Non. Pourquoi tu es allé là-haut Mais c'est pas vrai. Il était en train de venir ici. Allez, tu reviens, tout de suite. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis? Qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas? D'ailleurs, tes priorités, toi. On va te mettre à l'artisanat aussi. Deux. Non, tout ce qui est ici. En deux, en fermier. En trois, en fermier. Patient, tout le monde se soigne quand il faut vous soigner. Hein. Tout le monde est contrôleur pour les interrupteurs dans l'urgence. Constructeur, non. Par contre, au minage, on te met deux. En garde forestier, on te met deux. Par contre, en hauling,
et en nettoyage, toi tu vas être à 1. Voilà, allez. Donc ils ont quoi eux comme arme? Hammer. Ok, il est mort. Animal fou. Mais c'est pas possible! D'accord. Allez, il va venir direct chez nous. Non, c'est bon. Je comprends pas pourquoi c'est. Ça doit être l'IA. Hein. Je pense que c'est l'IA. On n'a pas encore récolté du xérium avant l'hiver. C'est dommage. Là-dedans, est-ce qu'on a les armes? Oui. Notre zone de décharge, on avait fait tout. Stockage, zone de décharge. Zone de stockage. Les pierres qui traînent. Parce que je crois que ici on a fait. Voilà. Ok. Visiteurs. Seront sur les lieux. Gizmo. Allez. Vous êtes déjà venu, mais on n'a pas réussi à vous causer pour essayer de se rendre. Amical. On commence à avoir beaucoup de cadavres autour de chez nous. Donc normalement, Ram va ramasser. Qu'est-ce que tu ramasses? Ok. À l'autre bout de la map, tu vas chercher du bois. Et qu'est-ce qu'il a lui? Il dort. Il est blessé. Sam, si tu... Allez, on va tenter un truc. Essayez d'arrêter. Aucun liné pour les prisonniers. On va essayer. Allez, c'est quelqu'un de tout seul. Quelqu'un de tout seul, on ne sait pas pourquoi il est là. Ah non. Non, on va pas l'arrêter. Mais celui-là, il est bizarrement là. Santé, il est blessé. Torse, fracture. Ah non, il est invalide. Oh, tant pis pour lui, il va mourir. On va pas s'encombrer d'invalide. Avec nos chers invités. Hospitality, ça augmente. Ah, il y a ça de nouveau. Ah, vous voyez, il a loupé. Ah, mais avant ça buguait justement. Quand ça loupait, ça redescendait de 10. Là, ça va, c'est redescendu que de 1. Daniel ne fait toujours pas de recherche. On ne sait pas pourquoi. Il est bien en priorité 1. Artisanat. Attends, on va te mettre 2 ici. Tu auras vraiment que du 1. Attends, faut que tu fasses de la recherche, Daniel. Sinon, on pourra jamais faire nos style bar. On pourra jamais construire... On va plus rien avoir à manger. Sam, elle fait quoi? Sam. Sam, elle dépèse une baisse.
Une bête, ouais. Et Daniel, faut que tu te mettes aux recherches là. Attends. Daniel, allez, tout le reste vient du 2. Tu te mets aux recherches. Capsule de cargo. Voilà, il s'est mis aux recherches, enfin. En fait, ouais, tant qu'il avait en 1 constructeur. Qu'est-ce qu'on nous a lâché ici? De l'omnigel. L'omnigel, ça j'aimerais bien que tu me le stockes dans la cuisine, l'omnigel. L'omnigel, on va le stocker ici. Stockage. Alors, omnigel, on trouve ça où? Killing, steel bar. Est-ce que l'omnigel produit manufacturé? Pas là-dedans. Est-ce que c'est nos ressources brutes? Omnigel. Voilà. Vengeance de Alpha Castor. Ok. Jack chasse les Alpha Castor pour qu'ils bouffent pas nos bois. Daniel, finis-nous au moins déjà pour les steel bars. De l'eau près de chez nous, je sais pas si ça il considère que c'est de l'eau. Ah si, on peut se mettre un machin de pêcheur. Alors je sais pas du tout comment ça marche, hein. Faudra qu'on essaye. Se rendre sur les lieux, les traders. Hop, on en a deux qui viennent nous rendre visite. Sont-ils déjà venus? Non. Ok, encore un gizmo. Ouais, beaucoup de gizmo, hein. Daniel, t'es un peu lent. Oh, vengeance. Oh là là, mais c'est pas possible. Un colon a besoin de soins. D'accord. Plus t'as pas d'armes. Mais c'est pas possible, ça. Jack, on va aider Daniel, on va aider et Sam, on va aider en espérant qu'il arrive à venir. Oh là 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 là. Ça c'est vraiment, je comprends pas ces animaux. À mon avis, le patch, plus c'est mis à jour, plus c'est catastrophe. Lit médical, ok. Sam, il va nous soigner. Jack, t'es parti faire quoi? Il se repose à l'autre bout de la map.
Capsule de cargo se rend sur les lieux. C'est de la bouffe. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il enterre les cadavres. Daniel, tu finis les recherches, merci. Jack et Sam, vous faites quoi là? Capsule de cargo. Bottle of du saké. D'accord. Qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Jack continue à chasser, ça faut me le ramasser. Non, ça on va pas ramasser. On a presque tué tous les Alpha Castors qui avaient démarré ici. Regardez, ils ont bouffé tout le bois là. Et c'était parti bouffer bouffer le bois ici. On a un écureuil dans notre base, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de porte ici. Purée, 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 purée. Il faut faire une porte. Il faut me chasser cet écureuil dans la base. Je veux pas un écureuil dans la base. Si ça devient fou, mais... Bon, j'arrive pas à le cibler. Allez, voilà. Trader. Ça rentre sur les lieux. Sont-ils déjà venus? Non. Ok. Ouais, il y aurait de l'affection avec eux. Recherche terminée. On dit ok. Pour le moment, on va pas rechercher autre chose. Là, j'ai fait cette recherche pour pouvoir faire l'établi du tailleur de pierre que l'on peut mettre à l'extérieur. Voilà. Et surtout, le smelting furnace en marbre. Il nous faut quoi? Il nous faut quoi? Si je fais ça, de l'ardoise. Détruire. On va essayer de récupérer l'ardoise. Il avait, Jack avait missé sa négociation. Donc du coup, il a dû nous mettre encore plus mal avec eux. Non, on n'a pas amélioré. Alors, là, logiquement, je peux le fabriquer en ardoise. Pour faire des steel bars. Vengeance encore! Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont ces animaux là? C'est pas possible ça. Vengeance, on les chasse pas. Ah, vous voyez, là, les cadavres, ça commence à s'accumuler. J'en avais fait des tombes. Il y en a beaucoup des tombes là. Hein. Alors, qu'est-ce que du coup Daniel va faire? Il part manger. Il faudrait peut-être donner un coup de main à Sam à cuisiner là, parce que la bouffe elle va pourrir. Voilà, la bouffe pourrie. Elle disparaît. Sam. Animal fou. Oh là là, mais c'est pas possible. Frappe vilaine.
frapper et vous l'ouvrir. Non, toi tu rentres à la base. Mais c'est pas possible ces histoires d'animal fou là. Ça, Stia que j'ai choisi commence à me brouter sévère. Qu'est-ce qu'il fait Daniel? Daniel va cuisiner, dépecer. Capsule de cargo. Alors, qu'est-ce qu'on nous a lâché? Du tissu. Pas encore récupéré d'armes potables là pour Zoé. Non. On n'a pas encore amené les armes. Hein. Sans guire. Oh, fout en critique là. Je veux qu'on me ramène tout. Ça commence à bien faire. À transporter autant qu'il transporte. Dépecer c'est bien, mais optionnellement faudrait cuisiner. Tu vas faire quoi Daniel? Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas me cuisiner les trucs qui sont loin alors qu'on a de la viande sur place. Incroyable mais vrai. Chaud, il fait 28 degrés dehors. Bah oui. On a pris un climat qui était censé être une moyenne de température pas très élevée et finalement il fait très chaud. Donc la bouffe, qu'est-ce qui se passe? Elle pourrit avant qu'on ait le temps de la manger. Daniel a besoin de matériaux. Qu'est-ce que tu nous fais, nous, Daniel? Blocs d'ardoise. Ils sont là, les blocs d'ardoise. Allez. Besoin de matériaux. Il faut combien? On en a 28. Il faut 50. Quoi ça? Mur en marbre. Mais c'est pas vrai, on est maudit, on est maudit, on est maudit. Ça va être la fin de cet épisode. Allez, on va prendre des blocs puisque on sait pas encore ce qu'il nous faut. Hop là. Donc merci à tous et à toutes de m'avoir suivi sur cet épisode de The Remords de la chance. Pensez à liker, partager, commenter. Vous abonner si c'est déjà fait ou si ce que je fais vous plaît. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde.